Alors, nous sommes de retour dans Forza Horizon 5 pour le championnat hiver. Alors maintenant, on va faire la chasse au trésor. Alors, chasse au trésor haut de gamme. Indice pour le trésor, ouvrez la vanne et faites monter la température pour être au top du podium. Top du podium, ça veut dire finir premier. Alors, vous voyez les deux flammes mauves. Pour moi, c'est mauve-rose parce que je suis daltonien. À l'arrière-plan, c'est une street race, une course de rue. Alors vous voyez les deux voitures à l'avant. Si vous reconnaissez les voitures, vous verrez que c'est des super compacts. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre une super compacte, faire une course de rue et la gagner. Alors je vais vous montrer tout de suite comment faire. Je vais vous montrer où est le trésor et je vais vous montrer la voiture que j'ai choisie et le réglage. C'est parti. Alors, pour la voiture. Déjà, on va prendre toutes les courses. Street Race, donc épreuve de rue. Voilà. Hop, c'est parti. On va prendre n'importe laquelle. On peut prendre celle-ci. On va prendre Kate, vous prenez celle que vous voulez, hein. On va s'y positionner. Vous prenez aussi la voiture que vous voulez, tant que c'est une super compacte. Alors, ne prenez pas les events très courts de l'Event Lab, parce que ça peut bloquer votre défi de trésor, hein, ça m'est déjà arrivé par le passé. Donc choisissez une course légitime, normale. Ne passez pas à travers le labo d'événements. Donc, c'est parti. Je vous montre la voiture que j'ai choisie. Donc, vous faites changer de voiture. Moi, j'ai choisi la Ford Focus RS 2009. Mais ce que vous pouvez faire, c'est filtrer et vous prenez la catégorie. Donc comme j'ai dit, super compact et vous pouvez prendre n'importe quelle voiture super compact, la voiture que vous voulez. Donc ici, on prend super compact, ici. Et voilà, vous prenez la voiture que vous voulez là-dedans. C'est pareil. Vous prenez la classe que vous voulez, vous faites tout comme vous voulez. Alors on va prendre celle que je conduis ici. Voilà, donc moi j'ai pris la Focus. Le réglage que je vous conseille, que j'ai fait, c'est le suivant. On va chercher les réglages. Voilà. Alors, on va chercher. On va pas prendre S2 parce que ça c'était. On va annuler. On va faire paramètres par défaut. On va prendre le créateur. On va me mettre moi. Et je vais vous donner le code. Voilà. Tyrius. C'est parti. On recherche. Alors, voici mon réglage. Alors, j'essaye de récupérer le code à partager. C'est 453-990-798. Code à partager, donc 453-990-798. Voilà, c'est un réglage en A. On télécharge et on l'installe. Après, on va faire une course de rue. Donc, on l'installe. Vous voyez, il y a plein de problèmes avec le serveur. Ça n'arrête pas de se déconnecter. Alors, vous choisissez une course de rue. Je l'avais prise celle-ci. Prenez celle que vous voulez. Mettez la difficulté. Voilà. Prenez surtout pas l'Event Lab. Prenez pas ça. Prenez surtout la course de base. Sinon, vous risquez de rater votre comment dire, votre défi trésor. Ça risque de bloquer en fait. Alors, vous prenez la difficulté que vous voulez. Mais si vous voulez gagner facilement, choisissez touriste. Comme ça, vous êtes sûr de gagner et pas devoir recommencer. Puisque le but, c'est quand même de obtenir le trésor le plus vite possible. Maintenant, si vous voulez mettre plus, vous pouvez mettre plus. Alors, c'est parti pour la course. Donc, on va bien vérifier qu'on est en touriste. Nous sommes bien en touriste. Comme ça, ce sera facile de gagner. On fait l'épreuve de course. Et si on gagne et qu'on finit premier, on aura l'indice pour le trésor. C'est parti. Et voilà, nous sommes à l'arrivée. Et maintenant, on va voir l'indice pour le trésor. Bon, ça vous prendra 3 minutes 21 de votre temps. Vous faites continuer. Voilà, vous allez avoir votre indice.
On appuie pour voir. Bon, ici, voilà. Bon, si vous ne le voyez pas comme moi ici, que vous avez un problème, vous faites, vous retournez dans Festival, vous allez dans le trésor et faites voir l'indice. Donc ici, voilà, déjà vous voyez la photo de où c'est, et vous faites voir l'indice. Comme ceci. Eh bien, c'est là. Donc on va se téléporter ici. Tout près. Voilà, on va se mettre ici. Voilà. On se met là. Je vais vous montrer en grand sur la carte, hein. On va tout remettre, ne vous inquiétez pas. Donc c'est près du festival ici. Ce qu'on va faire, c'est on va prendre la carte et on va tout remettre. Voilà, tout voir. Et voilà. Donc c'est ici. Voilà. C'est là. Vraiment ici, juste au-dessus de Forsaton Marathon, Marathon, juste à côté de l'antenne Horizon Street Scene. Voilà. Et ici, vous avez la grange. Donc c'est ici. Allez, on avance et on va choper la caisse. Ah ben je la vois d'ici la caisse. Vous voyez, on arrive dans le bon sens. La caisse est là. La caisse est ici. Alors on va bien, je vais bien vous montrer. La caisse est là, voilà, ici. Voilà, elle est ici la caisse. Vous voyez, à l'entrée du festival. Donc nous sommes ici. Donc la caisse est vraiment là, à l'entrée du festival. Horizon Street Scene. Et voilà, on va casser la caisse. Et voilà, coffre au trésor trouvé. Le défi est réussi et terminé. Je vous montre ça dans le menu. Voilà, sélection de festival. Et la chasse au trésor est bien terminée. Et bien voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.